Je crois qu'on a évolué. Je pense que le ministre de la Santé actuel a compris et qu'il a mis... Il a eu un objectif, à mon sens, qui aurait pu être plus rapide, mais je crois qu'il a compris qu'il fallait faire énormément de tests et que c'était la seule manière. Ça arrive maintenant où c'est probablement un peu... maintenant, il y a très peu de cas actuellement, mais le débit n'est pas le même que ce qu'il était au moment où on avait la vague et où ils étaient nécessaires, ne serait-ce encore une fois... Pour comprendre la maladie, il faut en faire le diagnostic. Donc on ne peut pas, vous voyez, désigner les gens qui vont... Je vous donne un exemple qui m'a beaucoup frappé. Il y a un monsieur chinois qui avait 80 ans, qui venait de la zone de Hubei, pas de Wuhan, d'accord, qui s'est présenté à la Pitié-Salpêtrière. Il avait de la fièvre, il avait 80 ans, il revenait de Chine. Il n'a pas été testé, parce que Santé publique avait dit qu'il faut tester que les gens de Wuhan qui ont de la fièvre et de la toux. Il est rentré chez lui, il est revenu 7 jours après avoir contaminé sa fille, et il est venu mourir dans un hôpital dans lequel on lui a donné du remdesivir. D'accord. Donc c'est toute l'histoire qui s'est passée, quand même, de A à Z. Et donc... Ça pose une question. D'abord, il y a une arrogance qui est de savoir comment vont se présenter les malades sur une maladie qu'on ne connaît pas. Ça, c'est pas bien. D'accord. Et ça a été justifié par le fait qu'on ne peut pas faire de tests. Mais on ne peut pas faire de tests parce que, moi, au début, on m'interdisait de faire des tests, encore une fois. Hein. Donc, vous savez, j'ai dit, écoutez, je vous enverrai les positifs pour qu'il y ait quelqu'un qui soit meilleur que moi à faire la PCR, qui fasse les positifs. Moi, je reçois 10 000 préalablement du monde pour faire des PCR, du monde entier, de la Mayo Clinique, de Massachusetts General Hospital, de Londres, du monde entier. Mais je ne pouvais pas faire en France le diagnostic du Covid. Donc il y a quand même une réflexion. Mais la réflexion, encore une fois, il y a des choses qui sont des responsabilités humaines directes et il y a des choses qui sont structurelles. Je pense que si on maintient un système de ces systèmes de petits centres nationaux de référence, vous développerez des personnalités de niche, de blaireaux dans leur terrier qui mordent si on s'en approche. Voilà. Je pense que c'est comme ça. C'est les humains, ils sont territoriaux. Et s'ils considèrent qu'une maladie est leur territoire, vous êtes perdus. Voilà, je vous le dis, c'est comme ça parce que c'est l'expérience de l'âge, je m'excuse. Il faut bien que ça serve à quelque chose de vieillir. Et donc ça, en tout cas, je sais ça. Si vous constituez des territoires dans la République pour des problèmes généraux, vous aurez des difficultés considérables. Je me rappelle, il faut poser les questions une fois par l'une après l'autre. Parce que... Donc ça n'a rien à voir avec le manque d'écouviants. Non, c'était la question, c'était sur le nombre de vies sauvées par rapport à votre protocole que vous avez fait notamment. Et je ne peux pas dire, il y a un travail, je ne sais pas dire, il y a un travail pour lequel nous, on a fait une opération grossière hein, qui vient d'être disponible à Paris sur simplement le plaquenil, si vous voulez, sur 4500 personnes. On a comparé, il y a, je ne sais pas quoi, 600 personnes qui ont reçu du plaquenil et puis les autres qui n'en ont pas reçu. Il y a une différence de mortalité de 20%. Donc nous, on a calculé que ça faisait 150 personnes. Voilà. C'est ce que... C'est les calculs de leurs données. Hein. Tout le monde peut. C'est disponible online. Il suffit de regarder. Et parmi les auteurs, il y en a qui ont beaucoup critiqué. Mais enfin, la vie est malicieuse. C'est comme ça. Donc c'est bien. Bien sûr, il arrive qu'on se trompe. Hein. Mais il faut être pondéré avant d'avoir la connaissance de ce qui se passe pour le moment. Il faut être pondéré dans les commentaires avant pour ne pas se faire rattraper par l'histoire. Donc en pratique, je ne sais pas. Il y a des choses qui ne sont pas. Il y a deux éléments qui me paraissent être des éléments inquiétants dans cette question. La proportion, vous voyez, des gens qui sont morts, qui ont moins de 65 ans, à Paris, sur les données que j'ai, de 17%. Je vous rappelle qu'en Europe, elle est de 10%. Donc il s'est passé quelque chose ici sur la prise en charge. La mortalité dans les réanimations ici, dans ce travail, toujours, est de 43%. Chez nous, elle est de 16%. Et c'est les mêmes malades, là. Ils sont tous en réa. Donc il y a quelque chose, si vous voulez, il y a une, et à mon sens, c'est une vraie, il y a eu deux vrais problèmes pour moi, en dehors des phénomènes structuraux, pour lesquels ce n'est pas des questions d'individus, c'est des questions de structure, c'est de décider de ne pas s'acharner sur le soin, et donc le soin est passé au second plan, et on a même vu, effectivement, des interdictions d'usage de médicaments qui sont... génériqués et qui ont été distribués à des milliards de comprimés. Parce que je vous rappelle que l'hydroxychloroquine, ça a été publié par quelqu'un de la CNAM en 2019, il s'était distribué 36 millions de comprimés sans ordonnance. Et d'un coup, on décide qu'on n'a plus le droit du tout d'utiliser ça. Donc il y a quelque chose. Donc celui qui a aidé à décider de ça, moi, je vous assure que lui, il a fait une faute.
Et après, on dit même l'azithromycine, on ne peut plus donner ça dans les pneumopathies suspectes de Covid. Mais attendez, c'est le médicament le plus utilisé dans les pneumopathies. Aux États-Unis, je n'ai pas ces données en France, mais aux États-Unis, tous les ans, il y a une personne sur 8 qui prend de l'azithromycine. Donc pour transformer ces trucs en poison violent, si vous voulez, il faut avoir quand même... Alors bien sûr, si vous utilisez des doses déraisonnables, mais c'est comme le doliprane. Vous savez, si vous doublez la dose maximale de doliprane, vous mourrez quand même. Hein. Donc c'est des médicaments dangereux si on ne les utilise pas à des posologies, à des doses qui sont normales. Moi, j'utilise ça depuis 25 ans, le Plaquenil, pour des maladies dont je suis spécialisé, à 600 mg par jour, et on leur donne pendant 2 ans. Hein. Donc on fait des dosages tous les mois, c'est des choses qu'on maîtrise. Donc si vous voulez, d'un coup, vous nous dites que c'est pour ça que quand le papier du Lancet est sorti, on a dit qu'il y a 10% de morts. Vous imaginez bien que je ne vais pas croire qu'il y ait 10% de morts, puisque nous, on en était déjà à 3 000 personnes qu'on traitait avec ça. Et j'avais, moi, avant ça, traité 3 000 personnes avec ça. Donc ce n'était pas possible qu'il y ait 600 morts qui soient passés inaperçus, que je n'ai pas vu. Moi, je sais combien il y a de morts parmi les gens qui sont passés dans l'IHU. Il y en est mort 36 en tout. Et je sais de quoi il est mort chacun d'entre eux. Ce n'est pas des données de big data. C'est des vraies données de docteurs. On a regardé, on a ressorti les dossiers, on a fait des autopsies verbales, on a essayé de comprendre de quoi il était mort. Il y a d'ailleurs 30% qui étaient morts sur infection bactérienne. Donc, encore une fois, ça, je crois qu'il y avait, ce débat a pris un tour qui est tout à fait fantasque, qui n'était pas raisonnable. Et il y avait un véritable problème, c'est que les malades, c'est au docteur de les soigner. C'est pas une dérive qui est que de maintenant. Hein. Moi, j'étais en désaccord déjà à H1N1 pour dire que c'était, on allait vacciner les gens dans les stades. Je crois que c'est les médecins généralistes qui devaient le faire. On a mis des années avant de remonter sur la vaccination antigrippale à cause de ça. C'est-à-dire, on a dit aux médecins, c'est plus à vous à faire ça, vous savez pas faire, c'est nous qui allons faire la vaccination antigrippale. Donc, l'idée que l'État se saisisse de tâches qui sont du soin usuel, si vous voulez, à la place des médecins, et leur interdise de faire un certain nombre de choses qui sont banales, je ne suis pas d'accord. Et pour le dire d'ailleurs tout à fait officiellement, je suis surpris que l'Ordre des médecins ait accepté une chose pareille. Moi, si j'avais été président de l'Ordre des médecins, ce qu'a Dieu le garde, j'aurais démissionné immédiatement. Parce que c'est la responsabilité des médecins de faire pour le mieux dans l'état de leur connaissance. Et d'ailleurs, si vous me posiez la question, quand nous avons décidé, basé sur nos résultats, de commencer à utiliser ça, chaque médecin individuellement, dans le soin courant, je m'étais assuré auprès du directeur général de la santé qu'il avait bien compris les choses de la même manière que moi. Et bien sûr, j'ai la trace de ce mail. Les médecins doivent faire pour le mieux pour leurs malades en leur remettant conscience compte tenu de notre état de connaissance. Voilà. Et de les dépriver de ça est quelque chose qui, à mon sens, je ne sais même pas si c'est constitutionnel. Enfin, je me pose la question, c'est vous hein, qui savez. Mais moi, j'ai des doutes sur le fait même que ce soit constitutionnel.